Vraiment, c'est un match qu'il faut qu'on gagne de toute façon. C'est un match très important pour nous, pour le maintien. On a bon les matchs d'avant, c'est très bien, mais le plus important c'est maintenant et c'est ça. Donc, ouais, on vise à passer 2-3 à la maison. Il a été gagné à Cesson, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné là-bas. Donc, on se dit quand même qu'on a fait un gros match, un bon match en défense. On a un peu raté des trucs en attaque, mais bon, c'est normal. Et là, on se dit que voilà, c'est pas pareil, c'est ça, c'est à notre portée. Et voilà, il faut qu'on gagne. Depuis vraiment 2-3 matchs là, on sent que ça a envie d'envoyer plus et ça se voit sur le terrain. Donc, moi, ça me plaît, c'est tout ce que j'aime. Et puis en plus, les ballons sont montés, sont Oui, exploités, voilà, donc c'est ça, en on voit le contre-attaque. bénéfice tout de Ouais, suite. en contre-attaque, ça marche bien. On a vraiment une belle montée de jeu, de balles et. Bon, ça, c'est le type espagnol et c'est pas mal. Et ça marche bien, on voit avec Val, Bouyba, Mario, ça se projette vite vers l'avant, ça défend bien, ça se projette vite. Donc, c'est tout ce qu'on veut, hein, défendre et monter les ballons. Et voilà. Tu as parlé d'un joueur peut-être central cette saison, Val. Oui. Tu le connais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son évolution comme Franchement, là, ça? c'est sa saison. Incroyable ce qu'il fait. Je le connais depuis Célestat. Et on a joué pas mal de temps ensemble. Après, bon, on s'est perdu de vue quand il joue à Ponto. Et là, on s'est retrouvé. Ça fait 3 ans à Créteil. Et il fait que progresser. Et cette saison, ben, c'est récompensé, quoi. Il fait du bon boulot, il marque des buts. Et j'espère que ça va continuer pour lui. Toi, tu as déjà évolué un petit peu sur le poste de pivot Ouais, pour pour aider des fois, dépanner, donc oui, pour tu lui as dépanner. tout appris en fait. Bah, tout à fait, on va dire ça. Mais j'ai déjà dépanné quand il a besoin de souffler, voilà. Ouais. Quand il a besoin de souffler, mais sinon, voilà. J'espère que ça va continuer pour lui. Et puis voilà, hein, qu'on gagne des matchs grâce à lui, et puis c'est bien. Bah justement, tu parles juste des prochains matchs. On vous sent ambitieux. Vous avez envie de grappiller encore des Des places? places, ben on va se tous les matchs, on les prend l'un après l'autre, mais on se dit que on peut gagner n'importe quelle équipe. Donc, on va se donner un fond sur tous les matchs jusqu'à la fin. Et voilà, il n'y a pas d'équipe vraiment plus forte que tout le monde, à part Paris dans les championnats. Donc, tous les matchs, c'est possible de gagner. C'est possible de gagner. Dernière question, on va Oui. revenir sur Saran même. Oui. Vous avez analysé le jeu, vous attendez à quel genre de match? Un match très difficile, surtout en défense. On sait qu'ils ont un pivot qui est quand même costaud. En attaque, ça joue bien le ballon, ça tire. Il faudrait être compact, c'est de toucher les tireurs et ça va courir. Hein, parce que nous, on court et ça rend aussi, ça court bien et voilà, ça va courir. Et faire gaffe aux gardiens, les contre-attaques. Puis voilà. Ok, bon bah tes coéquipiers sont prévenus. Ouais, Merci Guinel, t'as à rien. vendredi. Oui.